On dirait que quelque chose est censé rouler là-dessus. Je crois que je sais comment ça marche. La pince est sur le côté. Et si on arrive à faire bouger ça... Oh Atreus. Non. Je crois que la corde est coincée sous ce rocher. C'était très imprudent. Oui, père. Désolé, père. Débarrasser de ces choses. Dégager la corde du désordre que tu as provoqué là-haut, Atreus. Peut-être qu'on peut monter. Non, ça nous mène nulle part. Elle est bien verrouillée. Qu'est-ce que ça dit? Bien. C'est drôle. Pourquoi? Quelqu'un a écrit « Réservé au Jotnar ». Et un autre ami et au nain. On ajoute quelque chose? Non. Ressemble beaucoup à celle des nains, mais la taille des pierres, c'est clairement du Jotun. En fait, je crois que les géants ont vécu ici après avoir creusé la montagne. Tu savais contourner le souffle noir depuis le début. Hey, va pas croire que j'aurais pu te faire passer, gros tas de viande. Je peux contourner à peu près n'importe quoi, surtout ici. À une époque, ma famille possédait cet endroit.
On a revu les pièges des Jotnars et construit de quoi les éviter. Pourquoi tu crois qu'ils sont si tordus? Oh, ça me fait penser. Attention aux pièges! À l'atelier! Service, t'es... Oh, ça y est, on a choisi. Bonne affaire. À propos de cette autre chose, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux, petit gars ? Qu'est-ce que ce sera ? Est-ce qu'il y avait autre chose ? Des pièges. Il y a un tunnel, mais trop petit pour toi. Prends-le. D'accord. Bien sûr. Aucun problème. Je vois bien. Voilà. C'est parti. Thank you.
Je m'en suis bien tiré, hein. Tu as du potentiel, mon garçon. Regarde toutes ces vieilles choses. Si ce n'est pas utile, alors n'y touche pas. D'accord. Regarde, une autre lanterne. Cassée. Laisse-la. À quoi peuvent-elles servir? Elles ont quelque chose de spécial. Je le sens. Oh, ça a l'air lourd. Impossible. Ça réussit. On peut utiliser la poulie. Elle
nous aidera peut-être à arriver en haut. Allez, au travail. Tu m'en diras des... Et laisse plus ce charlatan qui me sert de frère poser ses mains dessus. L'autre chose, c'était quoi, déjà? Ça recommence. Ça va nous emmener jusqu'au sommet? On le saura bientôt. C'est bizarre. J'ai une drôle d'impression. On se dirige vers un danger. Ne t'occupe pas des possibles. Concentre-toi sur l'instant. Et sois vigilant. Oui, père.
pas le sommet, mais on se rapproche. Attends, celle-ci est intacte. Il y a un message. Une prière de géants. Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux, de leur montrer le chemin du retour. Atreus. Attends! Je crois savoir comment ça marche. Regarde. Tu écris. Je leur ai demandé de veiller sur maman. Tu crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet? Viens, mon garçon. La route est encore longue. Recule. Le tunnel, Atreus. Compris. Sois prudent. Déteste. Les nains ont dû creuser ces tunnels pour contourner les pièges des géants. C'est une chance. Enfin, une chance pour moi, en tout cas. Ça ne sert à rien. On voit de côté. Sois prêt. Encore un élévateur. On arrivera peut-être en haut plus vite que prévu. Ça a marché. Ah non. On est encore trop lourd. Sommet, jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Le lac? Le serpent-monde? La maison? Nous verrons une fois là-haut. D'ici là, ouvre l'œil. Wow! Atreus! Ça va, j'ai simplement perdu l'équilibre. Tu sais, pour quelqu'un de si fort, tu t'inquiètes beaucoup. Ça me rend service, et ça nous permet de survivre. Sans doute. Mais c'est pas une vie très amusante. Thank you.
c'était amusant. Oui, je devrais plus m'inquiéter. Est-ce que c'est là qu'on descend? Non, nous sommes bloqués. Je n'en sais rien. Tu crois qu'il y aura d'autres attaques? Sans aucun doute. Oh non. Si, alors tiens-toi prêt. De mer. Et après, qu'est-ce qui se passera? Rien ne se passera. Nous rentrerons. C'est tout? L'aventure sera finie? Pour l'instant. Mais nous aurons beaucoup à faire. Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Mais elle le redeviendra et nous continuerons ton entraînement. D'accord. On est presque au sommet. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi, Atreus, et reste derrière moi. Viens, père. C'était intense. Tiens. Quoi? C'était quoi? On dirait une racine de l'arbre Yggdrasil. La sève? De la sève cristallisée et qui contient un pouvoir.
incroyable. J'arrive pas à croire qu'on ait combattu un dragon. J'ai essayé de viser ses yeux, mais je perdais toujours l'équilibre. Tu crois qu'on est chez eux? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés? Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. Oh. Oui. D'accord. T'as entendu? On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Attends, Atreus. C'est Sindri. Tu peux tuer un truc aussi gros? Il faut le déséquilibrer. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques? On peut pas l'abandonner. Tu passes à droite. Tu trouves un bon angle. Et tu attends mon signal. Merci. Hé, l'affreux! Par ici! Tout va bien? Pour l'instant. Thank you.
baisser la grue à mon signal. Je sais pas comment elle fonctionne. Je ne veux pas le savoir. Fais-le. Personne n'avait tué de dragon depuis des siècles, pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Tu te trompes. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie, et ça, ça mérite une récompense. Ah, qu'est-ce que c'est? Des flèches de gui tressées, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Oh. Merci. Ah, je vois. Non, pas ça. Vous avez revu mon frère? Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste? Non, j'imagine. Que je me soucie de l'esthétique des armes? Non, plutôt que de leur efficacité. Que je suis prétentieux? Non, et obtus, maniaque. Je sais ce qu'il pense, mais je me fiche de ses insultes. Ah, brûlez ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, attends un peu. J'ai une meilleure idée. Laquelle? Il me faut une dent de ce dragon. Attention en prenant cette... Oh, trop tard. Oh, quel massacre. Oh, c'est une catastrophe. Oh, oh, l'odeur. Parfait, ça devrait le... Oh. Question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Mmh.
Maintenant, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Fais-moi confiance. Atreus, ton arc. Deux passages devraient suffire. Oh, hé, tout doux. Wow. Ah, c'est sûr. Maintenant, je t'impressionne. Comment pourrais-je l'expliquer ? J'ai ajouté un motif vibratoire au tressage de la corde de l'arc. Lorsque tu tireras sur la selle durcie de l'arbre monde, la vibration atteindra son point de fracture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certains cristaux explosent. Et crois-moi, tu vas adorer. Au travail. Essayer de ne pas la salir. Non, 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 mais c'est bon, hein, moi je disais ça, c'est... Non, non, je dis ça, je dis rien. Mais où avais-tu rangé toutes ces choses? Très bientôt. Où as-tu appris à faire ça, Sindri ? Eh bien, quand Brock et moi nous nous sommes séparés, j'ai étudié à Vanaheim. Ça m'a ouvert l'esprit. De temps à autre, j'ai besoin de nouvelles sources d'inspiration pour rester créatif. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché avec mon frère. Il est prisonnier de ses habitudes, alors notre travail stagnait. Soit, nous étions des armuriers hors pair, mais ensuite, le changement fait partie de la vie. Si tu ne sais pas t'adapter et évoluer, tu finis aux oubliettes. Et c'est ça, les oubliettes. D'accord. À bientôt. Oh, une dernière chose. Faites particulièrement attention près du pic. Je suis presque sûr qu'Odin protège quelque chose là-haut. Et mieux vaut éviter de s'attirer les foudres des As. Qui ? Nous ?